Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo boîte aux lettres. Donc c'était mon anniversaire il y a quelques jours, le 13 novembre exactement, et j'ai eu l'immense bonheur d'avoir une surprise dans la boîte aux lettres de la part de Marie Noël de la chaîne Marie's Doudoune Salmon. Elle m'a donc envoyé voilà cette petite enveloppe, enfin petite, pas si petite que ça en fait, hein, voilà. Donc comme on voit, voilà, c'est fait en enveloppe, elle est recouverte de, bah, je pense que c'est de la serviette, hein, t'as fait du serviettage. Donc super jolie, hein, avec des boules de Noël. Alors j'ai juste mis des post-it pour cacher les adresses. Donc ça déjà c'est super joli, en plus vraiment je trouve que ça rend l'enveloppe plus solide par rapport aux déchirures et tout. Donc c'est une super idée d'envoyer là-dedans. Donc alors j'ai ouvert pour gagner du temps. Alors voilà, plein de choses. Plein de choses. Donc, alors déjà une super jolie ATC. J'aime beaucoup. Ah, c'est marrant, quoi. C'est, on dirait, ouais, une petite botte en... Non, pas une botte, une chaussette, n'importe quoi. En carton, je pense que t'en as superposé deux. Donc, le fond est super joli. Et puis, ton petit personnage là-dedans qui fait, voilà, avec le... C'est trop mignon. Trop, trop mignon. Donc, c'est super joli. J'adore Noël. De toute façon, moi, je suis une grande gamine par rapport à ça. Donc, c'est la série Bientôt Noël. Elle a été faite le 29 octobre 2021 et c'est le numéro 1 sur 24. Ensuite, donc, ah, sympa. Donc, voilà, j'ai ce joli petit sachet. Merry Christmas. Voilà, il est décoré là avec des petits sapins. Ah, la bande avec les étoiles comme ça, c'est sympa aussi. C'est une très bonne idée. Et puis, donc, voilà, pour faire un joli sachet de part et d'autre, ça a été recouvert de papier à carreaux. Enfin, voilà, toujours dans les tons de Noël. Donc, bon, bah, écoute, je vais partager ça avec les enfants. Ils vont être super contents. Ensuite. Nous avons ah, c'est super sympa donc c'est des attestamps si je me trompe pas. Donc une série de trois en genre de mini pocket letter en fait que tu as fait. Alors oui, je pense à la fuse, hein, pour avoir les bonnes dimensions. Donc la série En attendant Noël, et c'est les numéros 22, 23 et 24 sur 24. Voilà, et bah, elles sont super sympas aussi. Donc c'est vrai que j'ai jamais fait, j'aime bien les petites choses, les petites créations. J'ai jamais fait ce modèle-là encore, donc c'est super sympa et j'aime bien. Alors, je pense que c'est peut-être un petit tamponnage que tu as découpé là, le Père Noël, il est super sympa. Le sucre candy avec le petit nœud, les petits cadeaux. Et ah, il est sympa. Ah oui, ils se font face à face. Ça, c'est super sympa. Ça, c'est rigolo. Avec le petit renne en face. Et bien sûr, bah, pour la stamp, hein, on a les découpes sur les côtés en forme de cranté, hein, pour les timbres. Le petit tampon, comme si c'était un envoi. Non, super sympa. Vraiment, très très bonne idée. Et puis, alors, donc. Je vais, alors voilà, j'ai un petit mot, je vais ouvrir ce sachet-là. Désolée pour le bruit. Alors là, c'est pareil, hein. Marie-Noël donc a recouvert avec un joli papier pour, ben, enfin, voilà, ça c'est pour embellir le sachet. Il y a une petite étoile en forme de petite demi-perle, c'est mignon comme tout. Et donc, alors voilà, c'est super gentil, donc... il y a un tampon, on voit en dessous, bon anniversaire, c'est recouvert de rhodoïdes sur lesquels donc tu as collé tes embellissements. C'est une très très bonne idée. J'aime beaucoup ta création tout en douceur. Alors attends. Voilà, j'étais en train de croire qu'il y avait une encoche, mais non, non, c'est moi qui ai les yeux qui voient pas bien, hein, je crois. Voilà, et donc au dos de la carte, alors j'ai juste mis pause une seconde le temps de lire le message de Marie-Noël. Donc ben, merci beaucoup, en tout cas, c'est vraiment très très touchant. Je m'y attendais pas du tout à recevoir cette enveloppe. Donc je suis vraiment sincèrement extrêmement touchée de ton envoi, Marie-Noël. Merci beaucoup. Merci pour les bonbons, ça fait vraiment plaisir. Je vais partager ça avec les enfants, ils vont être ravis. Et voilà, ben, écoutez.
Fait, voilà, encore une fois, merci beaucoup Marie-Noël. Je suis vraiment touchée. J'ai pas les mots, je suis désolée. Mais fait, voilà, sache que je suis extrêmement touchée et émue par ton envoi. Donc, merci beaucoup. Et oui, je suis heureuse aussi de voilà, ma chaîne. Je sais pas si elle continuera fait, voilà, longtemps ou pas, j'en sais rien. Moi, j'essaye dès que j'ai du un petit peu de temps, ce qui n'est pas forcément évident, mais de voilà, d'apporter un petit peu du contenu. Je vais essayer de la faire durer le plus longtemps possible. Et comme ça rencontrer voilà comme avec Marie-Noël cette belle rencontre même si c'est que virtuel des messages quelques messages qu'on a échangés des ben voilà de voir en vidéo etc ben, c'est un vrai plaisir on a l'impression de se connaître un petit peu comme ça c'est super sympa et voilà ben, toi aussi hein, j'espère que ta chaîne va continuer longtemps parce qu'en tout cas moi j'aime beaucoup ce que tu fais donc voilà c'est tout ce que je te souhaite aussi et ben, voilà encore mille fois merci et puis ben voilà j'espère que cette vidéo vous a plu voilà je mettrai le lien de la chaîne de Marie-Noël donc c'est Maryse Doudoune Salmon sur YouTube je mettrai le lien dans la barre d'information je pense que vous la connaissez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'encourage à continuer. Ça me donne envie de continuer aussi, parce que c'est vraiment le côté partage que j'aime dans mes créations. Et bah, abonnez-vous et voilà, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Et puis voilà, si vous avez des questions, bien sûr, j'y répondrai avec grand plaisir. À très bientôt, merci, au revoir.